Bonjour, c'est Quentin Bourdy, chef du restaurant L'Univers à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron. Aujourd'hui, on est à Lyon pour faire découvrir le Roquefort dans une des capitales mondiales de la gastronomie. On est au hall Paul Bocuse et on va y rencontrer Céline du restaurant À la Piscine qui va nous les faire découvrir. On y va. Bonjour. Bonjour. Quentin, enchanté. Céline, enchantée. Bienvenue à Lyon. Merci. En tout cas, bienvenue dans les halles de Bocuse. Oui. Donc, c'est vraiment, on est là dans une institution lyonnaise, ça existe depuis 1858. Oui. Et c'est dans cette nouvelle forme depuis 1971. Okay. Donc on est vraiment là, dans un lieu où on a tous les produits phares de la gastronomie lyonnaise, des meilleurs ouvriers de France. Voilà. Excellent. Moi, je suis venue cuisiner des quenelles. Bon, bah super. Ouais. Eh ben, écoute, je vais te présenter une super maison. Bonjour Julie. Bonjour. Enchantée. Ah, également. Bonjour Céline. Vous allez bien? Bah ouais, super. Vous montrez ce que vous avez un petit peu? Alors, la Maison Malart, nos spécialités, ce sont, la première, ce sont les quenelles. Oui. De brochet, vous faites tout, alors? Alors, on fait... C'est vrai que la plus vendue, c'est la quenelle de brochet. Et puis après, on va un peu en crescendo dans les parfums, avec une cocon, où là, on rajoute encore des ingrédients en plus, des écrevisses, des champignons. On a de l'écrevisse, et puis après, on a de la mousse de brochet, où là, on est vraiment dans notre quenelle gastro. Avec un pourcentage de brochet plus important. Et bien, parfait. Vous êtes avec du Roquefort. Et ben, moi, je ne connais pas, je n'ai jamais goûté. Hein. Non. Quenelle au Roquefort. On n'a pas mis du Roquefort dans la quenelle, mais par contre, on va faire la sauce, une bise de crustacé, ouais. Avec étrier et homard, et on d'accord. va parfumer la bise avec le Roquefort. Pour okay. ça. Pas dénaturer la recette de base non plus. Voilà, merci Julie. Et ben, avec plaisir. Du coup, aussi, on se retrouve dans ton restaurant pour préparer le brunch spécial Roquefort. Parfait, ça, allez, on y va. On y va. Allez, au revoir. Au revoir, au revoir. Merci. Chef, tu goûtes? Attention, c'est chaud. Un peu. C'est terrible. Il y a assez de Roquefort? Ah, super. Bonjour. 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 Ça a été? Bah, très bien. Oui. Super bon. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, c'est bien parce qu'en plus, c'est vrai que tout est au Roquefort, mais ça fait pas trop. Ben, c'est assez fin. Ça l'a fait? Ouais, c'est bon. Excellent. C'est ce qu'il fallait. Vous avez passé un bon moment? Ouais. Vous avez pris le menu Roquefort? Ouais. Alors, moi, j'ai pris le menu Roquefort. Ça vous a plu? Ouais, c'est super bon. T'es préparé par le chef, moi j'étais venu faire les quenelles. Ouais, c'est super bon, c'est marrant en fait. C'était bien? Ouais. Comme il fallait? Non, la fin. On avait un peu la pression parce que ouais, chez les Lyonnais, faire les quenelles. Ah bah, moi je suis bien lyonnaise et c'est bien pour ça. On n'a pas dénaturé le classique. Ouais, mais c'est marrant, c'est vachement original. C'est très bien. Ouais. Là, si vous voulez, c'est un petit flyer qui raconte l'histoire de Roquefort. Voilà. Je vous conseille le pain d'épices. Oui, les enfants, vous avez goûté ou pas? Extra. Vous introduisez le Roquefort dans votre cuisine? Fréquemment, oui. Fréquemment. Oui, on utilise souvent des fromages, mais quand on a envie d'avoir un caractère un petit peu particulier, et souvent aussi pendant la saison d'été, c'est vrai que les gens qui viennent un petit peu de loin, les touristes et tout, aiment bien quand même avoir du Roquefort travaillé dans le menu. Je pense que dès qu'on met une recette avec du Roquefort, elle marche beaucoup, parce que les gens, bah, ils sont à Aveyron et ils ont goûté à Roquefort. Et voilà, Lyon c'est fini, merci pour ce merveilleux accueil autour du fromage de Roquefort. Merci à toute l'équipe du restaurant À la Piscine, on s'est vraiment régalé pendant le service. On se retrouve rapidement dans une autre ville, toujours pour déguster du Roquefort. À bientôt.